Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va jouer à Unpacking. C'est un jeu sur lequel je fais une vidéo depuis super longtemps, sauf que mon PC portable me le permettait pas vraiment. C'était un peu compliqué d'enregistrer et l'écran, et ma voix, et filmer, etc. Mais maintenant, je peux. Du coup, je suis trop contente et on va enfin jouer à ce jeu qui a l'air ultra chill et hyper dans le mood que je veux donner à ma chaîne. Du coup, je suis trop heureuse. Faites pas attention à ma tête, je reviens du taf, du coup, j'étais obligée de me faire une queue de cheval. C'est la première fois que je filme avec les cheveux attachés, je pense. Mais bref, on va commencer. J'ai déjà regardé quelques let's play sur ce jeu. Donc je connais à peu près le principe, je crois que j'avais déjà vu le premier niveau. Mais vu que je savais que j'allais trop aimer ce jeu, j'ai évité de trop me spoiler. Donc je connais à peu près le principe, je sais qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais qu'il y a quand même des places qu'il faut pas donner à certains objets, donc il y a quand même des places qui sont acceptées ou non dans le jeu. Mais on va voir tout ça. Ce que j'aime trop, c'est vraiment qu'on peut imaginer une vie. Parce que je pense qu'on incarne une personne du coup, vu que c'est le journal techniquement de Mimi, comme j'ai écrit sur le journal. Et on peut vraiment voir l'évolution de sa vie, genre là c'est sa première chambre je suppose, enfin quand elle était enfant, ça me paraît le plus logique. Ça je pense que je le mettrais bien dans un tiroir, je vais lui faire un coin un peu artistique etc. Ce dessin est trop moche. Bref, ça devait être une enfant. Bon, je réorganiserai tout après de toute façon, comme on peut tout réarranger, parce que en fait ça me dérange qu'il y ait les cartons là en plein milieu. Ça c'est un album photo je pense. Je vais le mettre là. Ah oui on peut, ouais. Mais il y a des objets, je sais pas ce que c'est, genre ça c'est une toupie. Je sais pas si c'est moi qui suis teubée ou s'il y a certains objets qui sont un peu bizarres. Ça va mettre en dessous du bureau. Ça c'est un jeu d'échecs je pense. Ou un jeu de dames. Tout ce qui est boîte, etc. On va essayer de les empiler comme ça. Ah. Ça va mettre dans le tiroir. Ça c'est un livre. On va essayer de mettre tous les livres à cet endroit-là. Tu fais gagner la place. Les peluches. Dans le coin du lit. C'est un tapis? Ah non. Voilà. La Game Boy. Non. Ah, oh, c'est. Ah, oh, ça c'est cool. On peut soulever l'oreiller, c'est trop stylé. Appareil photo. Ça là. Ça, on va mettre là aussi. Ça, les petits jouets comme ça, ça me saoule un peu. J'espère qu'il n'y en a pas 50 000. Ah non, c'est un carton. C'est un carton plein de jouets. Au secours. Oh, c'est un troll. Trop marrant. Ça, c'est un Tamagotchi. On va mettre ça là aussi. Bon, les peluches, il y en a un peu beaucoup par contre. Je vais réarranger de toute façon parce que là, les jouets, ça va pas du tout. Le bureau non plus.
ça comme ça, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant. L'album photo, on va le mettre avec l'appareil. Voilà. La tirelire, on peut la mettre ici. Oh, parfait. Bah comme ça, ça me semble ok. C'est bien rangé tout ça. Bon. Le premier niveau était facile. On va dire ça comme ça. Je sais pas si vraiment un niveau de difficulté. Enfin ma propre chambre. Ah ouais, donc première chambre de vraiment être toute petite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être sa chambre d'ado. On ferait peut-être bien une étagère livre, une étagère dessin. Ok, premier carton. C'est un DVD? On peut faire une étagère DVD. Hop. Ah. Waouh, qu'est-ce que c'est bien fait! Ah non. J'ai déjà pas la place. Ok. Bon. Il va falloir revoir mes plans. Oh, le vieux MP3. Waouh. T-shirt, on va les plier. Pantalon aussi. Je pense qu'on n'aura pas assez de cintre pour mettre tous les habits de toute façon. Ah non. Ah oui, bon. On va mettre tous les vieux jouets sur la petite fenêtre. Ça ferait gagner de la place. Le ballon dans un coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a pris ses doudous. Ah, il y a plusieurs pièces. Oui, mais si tu déménages et que tu tripates tes cartons en fonction des pièces, il y a déjà un problème. Oh, il dab. Oh, c'est... Ok, j'ai un succès dab. On va la mettre là en attendant. La vieille radio ici, le pantalon là, la chaussure ici. Ah. Bon, je vais mettre ça en attendant. Ah bah oui, la tour du PC. Voilà. Le sac là. Soutien-gorge. On va faire un tiroir soutien-gorge et peut-être un soutien... Enfin peut-être un tiroir culotte s'il y en a, je sais pas. Ah, la Game Boy sous l'oreiller.
Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc pour les papiers, les... Ah oui, c'est une culotte. Les dossiers, etc. Je sais pas trop où je pourrais le mettre. Ah oui, je suis en train de me dire, mais le grille-pain, il va. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a une cuisine. Bon. Petit bibelot sur la petite fenêtre. Voilà. Pyjama. Sur le lit. Les autres, on va les laisser là. Papier toilette dans la salle de bain, logiquement. Et c'est Five Nights at Freddy's. Ah non, c'est un ours, normal. Je vais la mettre sur la pile pyjama, c'est pas grave. Ouais, on a terminé la chambre. Ah non. Ça, ah bah, on va le mettre là. Et le sac. Ouais. Ok. Salle de bain. Les essuie. On a vu l'essuie-main. Ah, j'avais pas vu ça. Voilà. Le savon là. Est-ce que je peux mettre là? Oh, c'est tellement bien fait. Du fil dentaire ici aussi. Du parfum. Là. Ah, j'aurais bien voulu avoir. Vous savez, comme les pharmacies aux États-Unis. Ils ont souvent un miroir qui s'ouvre comme ça dans leur salle de bain. C'est hyper pratique pour le rangement. Mais il n'y a pas. Shampoing. Trousse de premier soin. Encore? Et on n'avait pas fini la chambre en fait. Hop. Les tampons. L'après-shampoing. On va se faire une réserve ici. Hop. Les serviettes. La poubelle. Ouais. Ou alors à côté des toilettes. Non, on va mettre ça ici. Voilà. Une poêle dans la salle de bain, logique. On va faire un étage tasse. Assiette et bol. Oh, les bruits sont trop satisfaisants. Ah, dommage, on peut pas pendre. Ah, si, je voulais pendre l'essuie-vaisselle au poignet des tiroirs parce que je crois que c'est ce que tout le monde fait. Une autre casserole. Quoi, genre, il n'y a pas la place là? Genre là, il y a la place que pour une poêle. Ah, ben on va mettre ça là. Je vais mettre ça là, mais... Hop. Papier. Enfin,
sac poubelle plutôt. Les éponges. Ok, ça avance. J'ai l'impression qu'on aura jamais la place pour tout. On a fini. Ok, donc ça c'est pas bien mis. Voilà. Pyjama, faut le ranger dans l'armoire, je suppose. Ok, donc là c'est fini. On va réarranger un petit peu, c'est quand même des choses, ça ne va pas. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Oh. Sa chambre d'étudiant. Stylé, stylé. Donc, 3 ans après, est-ce qu'il a... Enfin, elle a... terminé... l'UNIF. Ce serait son premier appart. Ce serait chouette qu'on sache quelle partie de sa vie c'est avant de faire la décoration, parce que je trouve que ça aiderait à se mettre un peu dans le mood. Mais il a encore ses figurines là. Enfin, je vais pas juger, j'ai mon armoire pleine de figurines. Et on a 4 pièces là. Waouh. Ça va être long. Ah non, 5. Il y a salon, salle à manger. Waouh. Et à mon avis, après ce niveau-ci, je continuerai pas plus. Parce qu'à mon avis, celui-ci va être ultra long. Il y a des choses qui sont déjà mises que j'aimerais bien ranger. Par exemple ça là. Ou ça. Ou ça. Mais bon. Oh, c'est un bordel. Les tasses ici. Ah, du coup, ils ont déjà fait des étages désignés quoi. Mais on dirait. Il arrive dans une. Enfin, il ou elle. Arrive dans une coloc, du coup. Parce qu'il y a déjà tout le bordel de ces colocs, il y a déjà des bols sales et tout. À mon avis, ça doit être ça. Et je suis tellement concentrée, je parle presque plus. Alors, on va peut-être pas mettre sa brosse à dents avec celle des autres, parce que si c'est des colocs... Ah waouh. Je suis trop satisfaite quand il y a... ce genre de détails là qu'on peut suspendre les objets, etc. C'est trop cool. Ok, ah ben, il y a la pharmacie ici. Mettre quoi son parfum. Hop. Faire un peu de place.
Voilà. Oh, le nombre de cartons. On dirait vraiment un paquet de clopes. Mais je pense que c'est des marqueurs, parce que tout à l'heure, il... Ouais. Celui-là, il est gris. Tout à l'heure, il était bleu. Voilà. Ça ferait quand même beaucoup de clopes. Les détails des petites photos comme ça, c'est trop cool. Ça, j'aime trop qu'il tombe tout pile dans l'encadrement. Ah bah c'est la tenue de job ça à mon avis. Avec la citrouille. Les doudous. Encore et toujours. C'est un diplôme. Stylé. Voilà. Mais j'ai fait toutes les pièces. Ah. Comment ça, je peux pas le mettre là? Ok. Oh, je peux pas mettre... Oh, nul. Du coup, est-ce que c'était une coloc? Ah. Je peux voir en accéléré. Ah. Oh. C'est trop bien. Ah, oh, cette pièce-là, elle est ultra satisfaisante. Waouh. Impressionnée. Dix, mais à mon avis, je vais pas faire ce niveau-là maintenant. Du coup, j'ai retourné au menu principal. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Enfin, quoique, j'ai quand même tourné 40 minutes. Je sais pas si je ferai beaucoup de cuts au montage. Je verrai bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous aimez bien ce jeu, que vous aimeriez que je fasse plus de vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant,
On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.